Et nous nous levons. On voit strictement rien, on va rester sur le lit. Donc, la dernière fois, nous étions partis en aventure pour aller au Ash Canyon, le canyon des cendres. On sait toujours pas, je ne sais toujours pas par où passer pour y aller. Je sais que c'est après le Mont Timberwolf, à moins que... Non, ça doit être après le Mont Timberwolf. Dans tous les cas, on verra. Hein. Si jamais je me trompe, je ferai des coupures et tout ça. Elle vient de sortir, encore une fois, j'ai fait donc l'épisode d'avant et celui-là sont faits genre d'affilée en fait, donc la mise à jour elle est sortie il y a quelques heures encore pour moi. Donc nous sommes arrivés à la Vallée Charmante, nous sommes donc à la ferme pour le moment, donc ça s'est plus ou moins bien passé on va dire, hein. Ça s'est même assez vite passé, on était parti donc du lac Mystère, on est passé par, je crois bien que c'est la rivière sinueuse du coup, parce que vu qu'on passe par le barrage, après on tombe là, ah non c'est la rivière sinueuse, puis après la vallée charmante, donc on est en plein milieu de la vallée charmante, donc on va essayer de tracer en fait jusqu'au mont Timberwolf, donc on va essayer de finir notre nuit, parce qu'il reste encore une partie de la nuit, et une fois que... on sera levé, j'espère qu'il fera assez beau parce qu'en fait on a une grande zone à franchir. Après on peut se débrouiller même s'il y a du blizzard honnêtement, on peut se débrouiller, on ira genre à la grotte et tout ça. Puis après là on longera le bord et tout ça. Donc on va se débrouiller, mais par contre ici il faudrait vraiment qu'il fasse bon, beau et bon honnêtement. Donc on va dormir... on va dormir, on commence à être un tout petit peu à court de nourriture et tout ça. Je voudrais pas taper dans les réserves. Je pense que quand on sera au Mont Timberwolf, ça ira mieux parce qu'on pourra aller chasser des loups et tout ça. Donc ça se passera un peu mieux. On va faire ça du coup. Mais ouais, je voudrais pas quand même taper dans les grosses réserves de nourriture. Genre les macèdes et tout. Je voudrais vraiment pas taper là-dedans. Ouh, ça va être drôle. Alors, il commence à faire jour. Est-ce que... Ouais, ok, on voit comment on commence à voir. C'est très très bien. Hop. On garde ça pour en faire un appât si jamais on se fait courser par un loup. J'ai pas vraiment envie d'utiliser des flèches ou même l'arc. Alors, attendez... la porte, elle est où du coup? Oh là! Oh non! Le jeu ne sauvegarde pas les... Oh, il y a un bug. J'en avais parlé en plus. Interland a un bug. Interland a un bug. Si vous fermez le jeu et que vous le rouvrez, les touches sont remises par défaut. Donc il faut tout rechanger à chaque fois. Oh mon dieu. Oh ça va être relou par contre. Ça va être relou. Bon maintenant je me rappelle comment je l'ai fait mais... Aïe, Interland. Hein. Je l'avais dit, hein, Interland aime bien faire des bugs hein, dans leur mise à jour. Donc c'est un peu un problème. Je l'avais déjà montré dans la première vidéo, la vidéo juste avant. Et là du coup, bah ouais, on a un problème de ça quoi. Ah là là, Interland. Ouais, faut faire attention. Le sac à dos, j'avais dit quoi? Je crois que c'était F. Et l'état, je crois que c'est IT. Pour moi, vêtements, on va le mettre sur V comme vêtement et on devrait être bon. Donc ça sauvegarde pas vraiment. Ça remet à zéro à chaque fois. Ah mon dieu. Ok, on est bon. Ah, maintenant on peut bouger normalement. Alors attendez, parce que du coup je me suis perdu. Une chaise. Oh là là, je me suis complètement perdu du coup. Bon, on va devoir attendre, je crois. Ouais, ok, on va faire ça. C'est où c'est là? Ok, très bien.
Ben, on était sortis de la chambre, en fait. Du coup, j'ai pas posé des objets par erreur, parce que... Je crois pas, non. Ok, on va dormir une heure. Ah, quoi que non. Ah non, c'est bon. Allez, on y va. donc, ouais, Interland a déjà... Alors, déjà, premier bug. Voilà, déjà, premier bug. C'était rapide, hein, quand même, à trouver. Je suis en train de me dire, on va peut-être prendre des tissus, en plus. Donc, premier bug. Déjà, premier gros bug, quand même, parce qu'à chaque fois, il faut refaire les... Il faut quand même, à chaque fois, refaire les touches. Je veux pas dire, mais c'est un peu frustrant. C'est un tout petit peu frustrant. Donc, ouais. Pas vraiment très très heureux de ce côté-là, hein, par rapport à Interland. Vraiment pas heureux. J'avais dit hein, que le problème, ça pourrait... on pourrait avoir des bugs et tout ça. Et ben voilà, on a déjà un bug. On a déjà un bug. Donc nous on vient de là-bas, il fait pas trop froid. Donc nous on doit continuer vers les montagnes. Sur la droite, donc vers là-bas. On devrait tomber sur... un pont. On devrait tomber sur un pont. Ah, ça m'embête, ça, parce que, en plus, je l'avais dit dans la vidéo, quand j'ai fait ma petite exposition, en fait, sur la mise à jour. J'ai dit, faites attention, c'est Interland, et ils sont en vacances, en plus. Donc, si jamais il y a des bugs, parce qu'ils nous ont habitués à faire des bugs, hein, c'est un peu comme Bethesda, honnêtement. Hein. Après, je dis pas que le jeu est mauvais, encore une fois, mais ils nous ont habitués à certains bugs. Et bah oui, non, ça a pas manqué, quoi, ça... C'est ça, quoi. Enfin, il y a des... Ouais, non, bug. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ah, il est là, le pont. Ouais, je vois. On est bon. Donc, ouais, bug. Bug, bug, bug. Ça, c'est vraiment un problème qu'ils ont à Interland. Je pense pas qu'ils testent assez leur jeu. Je le répète encore une fois, j'ai dû le répéter une dizaine de fois hein, depuis que j'ai commencé cette survie. Mais ils testent pas assez leur jeu. Ils testent vraiment pas assez leur jeu. Je pense. Je pense que c'est le gros défaut de Interland. Ah merde, un loup. Bon, je sais où on est, du coup on va peut-être pas passer par là. C'est bête parce que là ça fait un bon raccourci en fait. Ça fait un bon raccourci de passer par là. Ouais, c'est pas grave. On va pas tenter. Après, on aurait une chance de lui faire peur et tout ça, mais bon. Ah, par contre, là, faut faire attention parce qu'on avait vu la dernière fois qu'il y avait un ours. Est-ce qu'on peut monter ? On a l'air d'être bon. Ouais, on était déjà passé par là. Ok, très bien.
très très bien. Cru. Ok, parfait. Fou fou fou, parfait. Parfait, parfait. Donc on peut dormir un peu ici. Alors on va avoir un problème avec les calories. Quoique non, on a encore une réserve. C'est pas comme si on était affamé, mais... va falloir faire attention. Il y a des lapins à l'extérieur. Est-ce que ça vaut le coup de les attaquer? Je sais pas trop... On va dormir là. Parce que je voudrais sortir en fait de cet endroit le plus rapidement possible, parce que c'est une horreur ici. C'est vraiment une horreur. On y va. Si jamais on peut, en fait on peut être bloqué de la minute à l'autre, on peut être bloqué pendant 10 heures d'affilée quoi. Donc j'ai vraiment envie de partir. Et vous voyez que là déjà il fait froid. Il fait déjà extrêmement froid. Alors on a une corde là, mais je suis pas exactement sûr d'où elle mène, donc on va pas la prendre. Je veux pas de vent, je veux vraiment pas de vent s'il vous plaît, pas de brouillard, rien. Oh mon dieu, déjà on commence à plus rien voir. Après on a la grotte. On pourrait s'arrêter à la grotte. Genre dormir encore une heure pour se réchauffer, mais bon. Comme j'ai dit, chaque minute qu'on passe ici, ça peut être... tempête, hein, direct. Donc c'est un peu embêtant. Ça peut être tempête. I can't feel my hands. Je pense qu'on devrait avoir de la nourriture dans la grotte. Je crois qu'on avait laissé des choses, non? Par contre, on pourrait faire du feu dans la grotte si vraiment on a trop froid. Parce que c'est vrai qu'on risque de... Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de nourriture. On pourrait faire du feu pour se réchauffer, mais on n'a rien à cuire, donc ça serait un peu une perte de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est dormir une heure pour se réchauffer. Et merde. On a bien fait de pas sortir. Bah le truc en fait c'est que si jamais... Dormir c'est bien parce que ça consomme pas vraiment de calories. Ah ouais, tout est à 0% du coup, enfin presque. Ah non, il n'y a pas de nourriture nulle part.
Si jamais on voit un lapin. Je fais juste que regarder, hein. Ouais, non, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué de se déplacer. Là, on a un lit, là. On a un lit ici. Je savais pas vu. 2 degrés, ça va ressenti 8, 2 degrés, c'est bien. Mais j'ai envie de dire, il faut passer le plus de temps possible, il faut que, la tempête s'arrête. Donc je crois qu'on va devoir dormir. Bon, c'est ce qui est bien, c'est qu'on a de l'eau. Mais il faut que la tempête s'arrête. Au moins, à la limite, s'il fait froid, ça va. Mais il faut qu'on ait un peu de visibilité, parce que sinon, on va jamais pouvoir passer. Parce que nous, on est là. C'est pas très loin, hein. Il suffit de sortir. Parce que quand on sort, on est par là. Et après, on va directement sur notre gauche. On continue, on monte. Il y aura une épave d'avion. Et après, une fois qu'on sera devant donc la montagne, c'est la montagne, elle est toute là. Dès qu'on sera devant, on continue sur la droite et on longe la droite constamment, on s'arrête pas. Et en théorie, on est bon. Donc c'est pas compliqué. Mais c'est pas facile. C'est pas compliqué, mais c'est pas facile. Je sais pas trop quoi faire là. Parce que là, on va devoir taper dans les ressources. Si on reste trop longtemps ici, c'est embêtant. Je regarde, on sait jamais s'il n'y a pas quelque chose, mais normalement non. On va se mettre là. Très très bien. Ça me donne froid, honnêtement. Je vais être honnête, ça me donne froid. Attendez, parce qu'on est... on a un risque de... se blesser. On pourrait réparer ça. Parce que là, on a eu quand même pas mal de tissu. J'ai envie de dire, ça pourrait nous faire passer le temps. Ça serait un peu inutile quand même. Il va falloir faire attention à nos calories. J'entends du bruit, non ? J'ai cru entendre des bestioles. On va voir. Ok, c'est parti. On a eu de la chance. On a eu de la chance, ça n'a pas duré très très longtemps.
On avait tout fouillé là. Okay, c'est par là, très bien. Ah vous voyez, il fait pas trop froid. Vu qu'on a une tempête, ça va, le temps est assez clément maintenant. Voilà, on est devant la montagne, donc maintenant tout droit et on longe. Enfin, à droite plutôt, tout à droite et on longe. Faire attention de ne pas se faire choper par un loup. C'est quoi ça là-bas? Un lapin. Et on n'a plus de cailloux. J'ai balancé le seul caillou que j'avais. C'est pas grave. Je crois que... Je crois qu'il y avait de la nourriture au Mont Timberwolf dans la cabane. Je crois qu'on était parti, on avait laissé pas mal de nourriture. Donc on devrait pas avoir de problème. Alors, est-ce que toi t'es sur la carte? Toi t'es pas sur la carte. Très bien. Très très bien. Toi, on t'avait pas sur la carte, donc. Donc voilà, ça nous fait un très très bon repère, en fait. Pour l'entrée du Mont Timberwolf. Très 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 bon repère. Se fatiguer non plus. On va voir s'il y a de la nourriture qui traîne, qu'on puisse se mettre à 100%. J'ai envie de me dire, je pense qu'on n'a pas besoin de la manger, la nourriture. Je crois pas qu'on ait besoin, parce qu'il y en aura sûrement là-haut. Et à la limite, on peut chasser là-haut directement. Donc comme ça, on en garde en bas. Ce livre, on l'avait lu. Ouais, on l'avait lu. Tissu, il y a ça. On a 42 kilos. On est trop lourd. On est trop lourd. Donc moins ça, il va commencer à faire nuit, je voudrais partir avant qu'il fasse nuit. Est-ce qu'on a besoin de prendre ça? Je pense pas. Je pense pas. On va poser le bois. Et on va prendre la corde. Voilà, très bien, on est à 39 kilos. On a tout. On a des plumes. Ok, let's go. C'est parti. Ok, là ça se... Là je suis content, ça se goupille bien. Là, 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 ça s'est bien goupillé. Très, très content. Très, 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 très content.
Là, on avait laissé de l'eau. Non, on va pas prendre le bois maintenant. Enfin, on va prendre le bois qui est sur notre chemin, donc voilà, comme d'habitude. Hein. Commence à avoir froid. On entend les loups, mais c'est pas les loups de... C'est pas les loups de... De Timberwolf. Ça serait bien. Ça serait bien. On en a déjà parlé, hein, du fait que les zones soient coupées, en fait, d'une à l'autre. Donc c'est pour ça qu'un animal, par exemple, ne peut pas vous suivre d'une zone à l'autre, ou même dans une grotte et tout ça, alors que la grotte, elle est ouverte. Mais ça aurait pu être... sympathique aussi de pouvoir entendre les animaux d'une région à l'autre, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Alors, on va peut-être un peu sprinter pour éviter d'avoir trop froid. Ok, donc on est de retour au Mont Timberwolf. Ce qui est bien aussi avec une survie déjà avancée, c'est que le Mont Timberwolf, on l'a déjà fait, en fait. Et vraiment bien en plus, on a déjà, on a tout fait, hein. on a tout visité le Mont Timberwolf honnêtement. Donc du coup on n'a pas besoin de le refaire ou de le redécouvrir. Et on n'a pas besoin de s'équiper, donc comme j'ai dit, c'est vraiment le bon côté des choses, c'est qu'on n'a pas besoin de s'équiper, on peut directement aller dans la nouvelle zone. Et ça sera directement en intrus. Donc voilà, encore une fois, ça, tout se goupille bien pour le moment, je suis content. Alors, attendez. Il ne faut pas de... Là, il y avait un ours, je me rappelle. C'est pour ça qu'on a un feu et tout ça. Ça a l'air d'être tranquille. Le Mont Timberwolf est sympa. Hein. Moi, je trouve l'endroit pas mal. C'est juste les cordes. Mais une fois que vous avez... vous savez, en fait, l'emplacement des cordes et vous savez quand les prendre. Donc, c'est-à-dire quand vous avez... vous n'êtes pas en surpoids et tout ça. Ça se passe bien, honnêtement. Ça se passe plutôt bien. Ça, ça. Donc on va sur notre cabane, hein, qu'on connaît très bien. Hein. Et on va pouvoir dormir ici et faire le... peut-être le plein de ressources. Enfin, de viande, en tout cas. Y a une chose aussi, j'étais en train de me dire. Imaginez que au canyon, on doive pêcher. Genre, y a pas d'animaux, il y a que de la pêche pour survivre. Ça serait la merde, non? Ça serait un peu la merde. Là, on a des lapins. Ah, mais je suis quasiment sûr qu'on a encore de la viande là-bas, normalement. Quasiment sûr. Sinon, il y aura sûrement des loups pas loin. Il y a toujours des loups ici. Pas très loin. Ah bah tiens, à cet endroit-là, à cette cabane-là, j'ai vu une vidéo assez sympa. Je crois que c'est Interland, le Twitter de Interland qui l'a partagé. Où quelqu'un a... vous savez, des fois, je le fais. C'est genre allumer un feu à l'extérieur avec une loupe. Comme ça, vous n'utilisez pas d'allumette. Et après, rentrer avec une torche et faire un feu à l'intérieur, en fait. Je vois pas... Non, ça va.
Très bien. Ouais, parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Ah, on a du charbon. Oh la vache. Ok. Ça va le bois, je crois. Je crois qu'on est, on est nickel niveau bois. Je crois qu'on est nickel. Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah oui, je me rappelais pas de ça en fait. Je me rappelais pas de ça, on a même 23 massettes. On a des. On a ça à prendre. Quoique non, 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 honnêtement non. Très très bien. Et ben très très bien. Très 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 bien. Et du coup, parce qu'il y a un trou en fait ici. Et ils avaient montré une vidéo, donc une personne qui a fait un feu avec une loupe à l'extérieur du bâtiment. Et après qui a balancé une torche en fait, qui a pris une torche du feu qu'il avait fait à l'extérieur. Il a balancé une torche à l'intérieur, elle est tombée à l'intérieur du coup. Donc après il a pu allumer l'âtre avec la torche. Donc il a pas utilisé d'allumette. C'était pas mal, c'était pas mal. C'est vrai que j'ai jamais fait attention. Ah, c'est là qu'on avait laissé un marteau. Ok. C'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Donc ça, on peut le manger. Alors, très bien. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Donc on a encore 3 steaks, c'est pas énorme. Pas énorme. On va aller, on va pas les prendre. Ça non plus. Ok, risque d'hypothermie, guérison, très bien. Ça on le garde par contre. Ça c'est rare. Hein. Je suis en train de me dire, est-ce que on essaye de chasser... Bon, par contre, on a un temps de merde, je vois. J'aime pas chasser dans ce temps-là. J'ai cru entendre un truc. Ouais, j'arrive pas à distinguer. Il me faut... y a pas un cerf qui traîne. Ah oui, normalement, là-bas, il y a des lapins, non? Attendez, si on arrive à distinguer quelque chose d'ici... Oh mon dieu, je vois rien du tout. Je vois rien du tout. On va dormir. On va voir si on peut pas passer un peu le temps. Ah, vous vous rappelez qu'il y avait des loups qui étaient rentrés dans la maison? On avait laissé la porte ouverte et on a, ils étaient morts à l'entrée. On leur avait mis une flèche à l'entrée. C'est pas mal ça aussi. C'est vraiment pas mal. Je pense qu'on prendra... Est-ce qu'on prendra des bâtons? Non, il y aura sûrement des bâtons sur la route, donc ça sert un peu à rien. Il faut aussi un peu... bon, on va un peu regarder la map aussi, parce que je sais pas vraiment par où passer. Parce que, alors déjà, on avait bien découvert la zone. Mais où est-ce que le canyon pourrait être? Où est-ce que le canyon pourrait être? Grotte forestière. Parce que c'est bien sympa de se retaper ce le mont Timberwolf, mais comment on fait pour aller au canyon? Moi, je voudrais bien savoir ça. Dans la logique des choses, moi j'ai l'impression que ça serait plutôt là par exemple, cette grotte là, genre là. Genre si on regarde, c'est plutôt sur la... Alors, je sais pas si c'est vraiment genre bien précis hein, de faire ça, mais c'est plutôt sur la droite, le canyon. Donc à la limite, je dirais que ça serait plutôt ici. Donc ici, il y a sûrement une nouvelle grotte ou... Je sais pas trop. Déjà qu'on a une grotte là...
Alors, est-ce que cette grotte a été modifiée? Je ne sais pas. Mais peut-être qu'il y a eu un rajout ici. Ici. Ou alors... là, on a une grotte de la chute d'eau. Ouais, moi, je dirais que c'est par là. C'est par là. Il va falloir quand même qu'on prenne quelques cordes et qu'on finisse par monter. Donc, je dirais que c'est par là, quand même. En tout cas, on va dormir et on va voir ça après. Ouais, on va pas prendre de feu. On va essayer de dormir le plus possible. On va prendre ça. Ouais, très bien. Très bien. Et on va dormir. Parfait. Alors, fait encore nuit. Ce que je suis en train de réfléchir en même temps, c'est que est-ce que on fait une petite pause genre ici pour chasser, faire de la nourriture, cuire et tout ça, ou on continue. Moi, dans un sens, j'ai envie de continuer parce que comme ça, on arrive à la nouveauté quoi. Donc, on va peut-être prendre les deux steaks là qui sont à l'extérieur et après et tracer en fait. J'ai envie de faire ça. Dans la logique des choses, c'est pas vraiment très très bien de faire ça. Hein. Comme j'ai dit, c'est mieux de se préparer doucement, prendre son temps et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai envie de tracer. J'ai envie d'aller à la nouvelle zone. Moi. Alors, on va reprendre ça. On n'avait rien laissé d'autre. Hein. On a un arc. Non. On est à 39,15 parce qu'on n'a pas de nourriture. Ouais, on n'a pas de nourriture, c'est très bien. 2 litres d'eau, c'est très bien, c'est suffisant. On a tout. Parce que là, on va prendre des cordes, donc il faut pas trop s'amuser avec, avec les allers-retours. Donc faut faire gaffe. Ça, on le garde parce que c'est rare et ça nous permet de récupérer de la vie, donc c'est quand même important. Très bien. Peut-être qu'il faut... Alors attendez, parce que si on prend de la nourriture, on va devoir prendre des cordes. Je me rappelle plus si on doit prendre des cordes. Parce que je me rappelle qu'on avait mis un emplacement. Parce que moi déjà, je veux aller là. En fait, je veux faire ça, moi. Je veux faire ça. Je veux qu'on prenne par la droite. Comme j'ai dit tout à l'heure avant de dormir, c'est que le canyon a l'air d'être sur la droite. Donc... Dans la logique des choses, nous on est là. Moi j'ai envie de faire comme ça. Voilà. En gros, un cercle. Comme on avait fait la toute première fois qu'on était venu ici. Parce que ça me paraît logique. Donc une fois, on regardera là. Parce que là, on a une grotte. Donc peut-être qu'on regardera cette grotte. Peut-être qu'elle a été modifiée, comme j'ai dit. Peut-être qu'il y aura une nouvelle grotte à côté. Ou alors peut-être un peu plus sur le centre. Mais voilà, on va continuer comme ça. Et on va faire tout le long. On va longer en fait toute cette paroi. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Ouais, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Donc on va faire ça. Et comme j'ai dit, quand on trouvera genre peut-être l'emplacement du H Canyon et tout ça, on s'arrêtera là, ce sera la fin de notre épisode. Comme ça, on enchaînera directement sur l'épisode où on découvre H Canyon. Voilà, je pense que ça sera pas mal. Donc oui, je disais, parce qu'on doit prendre une corde. On a une corde là. Ouais, parce que je pensais qu'on allait faire peut-être là, comme ça, passer par là. Mais non, on va passer par alors le ravin aux échos. Je crois qu'on avait modifié une corde, non? Je me rappelle plus. Je crois qu'on avait changé l'emplacement d'une corde. Vous vous rappelez de ça ou pas? Je crois qu'on avait changé un emplacement de corde. Je me rappelle plus. Bon, on va aller à cette grotte, on verra. On va aller à cette grotte et on verra. Ah, ça m'embête. Bon,
Ça fait pas trop peur, une tempête ici, c'est pas très très grave. On devrait pas rester très longtemps, on va attendre que ça passe et après on y va. On va prendre les steaks déjà. Ah bon, on en a 3. Très bien. Parce que je sais qu'on avait changé une corde, je crois que c'était pour que ça soit plus rapide. C'est pour passer un chemin plus rapide. Mais je vais être honnête, je me rappelle plus vraiment. Bon, par contre, je voudrais bien que ça s'arrête, parce que moi, j'ai une expédition à mener, s'il vous plaît. On pourrait recoudre des choses. Non, on sert un peu à rien. Ok, on est bon. On est en dessous des 40 kilos, c'est très bien. Ok, c'est parti. Ah, il va faire un peu froid. C'est la tempête, bien juste de se calmer. Oh, il y a un cerf juste devant. Il y a un loup là-bas. Je sais qu'il y avait une corde à gauche. Là, il y a des lapins. La corde à gauche. Est-ce qu'on prenait la corde à gauche ou pas? Je pense pas. Ça fait un moment hein, qu'on était là. Hein. Je pense qu'on descendait directement dans le ravin en fait. Oula, c'est quoi ce bruit? Ah, bien, j'avais bien entendu un truc. Je crois qu'on descendait directement là pour pouvoir remonter. Je crois que c'est ce qu'on faisait. Je m'en rappelle maintenant. Ouais, c'est par là. Je crois que c'est par là. Parce que là, on prenait voilà, tout droit. Et après, il y a une grotte. On peut même se... Ouais, non, c'est ça. On peut même se protéger dans la grotte. Par contre, loup. Je m'en rappelle, ça commence à revenir maintenant. Oh, putain de merde. C'est la cheville, ça va alors. Ok, l'autre il a eu peur. À droite. Ah, fait chier, c'est trop dangereux. Je pense que avec notre vitesse de déplacement, on serait bon, mais c'est trop dangereux quand même. Et puis comme j'ai dit, on a récupéré pas mal de tissus. Ouais, non, il court vite quand même. Enfin, il trottine vite, quoi. Donc, on prend pas cette corde.
On va aller là. Normalement, il y a une grotte à notre gauche. On va pouvoir se débarrasser de lui. Et se réchauffer aussi. Et après, on va aller sur la droite. Et normalement, on avait placé une corde. Si je dis pas de conneries. Voilà, on va se placer là. Ok, très très bien. Très très bien. Ok. Ok, ok. J'ai envie de faire un peu plus de pansement. Parce que deux, on va imaginer que ouais, si on tombe, on s'abîme genre la jambe, le poignet. Je préfère en avoir au moins 3 ou 4. Parce que si on est pressé par le temps... Ok, très bien. On pourrait dormir une petite heure. Histoire de se réchauffer et... Ouais non, histoire de se réchauffer. Histoire de se réchauffer. Et d'être bien. Et surtout parce qu'on va prendre une corde, voilà, c'est ça aussi. Voilà, c'est ça que je cherchais. Surtout ça. Ok, très bien, il est encore à peine midi. Ok, on est en dessous des 40 kilos de toute façon, c'est très bien. On va sortir comme ça. Oh, j'aurais dû sortir l'arc. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai pris le... Ouais. Toujours vérifier, on sait jamais. Ok, il fait pas froid. On est bon. Alors après, on va passer... Vous savez, c'était une sorte de plafond. Ils appellent ça une grotte, mais c'est pas vraiment une grotte, honnêtement. Enfin, quoique oui, c'est une grotte géante, en fait. Avec 3 branches. Et normalement, nous, on devrait passer genre... je crois que c'est tout droit sur la droite. Et après, on remonte en fait par la grotte que j'avais montrée sur la carte. Encore une fois, le jour où il rajoute le fait qu'on puisse regarder la carte pendant qu'on marche, je serai le plus heureux du monde, honnêtement. Mais bon. Donc, va falloir vous rappeler parce que j'ai pas envie de perdre du temps. Donc, c'était sur le côté droite de la map. Mais nous, je suis sûr qu'on avait changé une corde pour aller à gauche. Pour en gros aller plus vite, pour aller directement un peu plus avancé en fait dans la zone. Et si je me gourre, bah on a fait tout ça pour rien. Enfin non, je déconne, on peut complètement aller sur la droite et on sera de retour sur notre chemin. Ah, on a chaud ici, très bien. On va pouvoir regarder la carte. Donc ouais, nous on est descendu comme ça, directement on est allé au moteur, après on est allé là, et je crois qu'on est là. Ouais, on est là, parce que la corde elle est là. Donc on s'est abrité à cette grotte. Donc maintenant on est à la grotte ici, bon ouais voilà, comme ça ils appellent ça une grotte. Donc si on va à droite, on retombe là, et là on a la corde, mais nous on a changé cette corde, je crois qu'on l'avait mise... on l'a pas dessinée par contre, faudra la dessiner. Je crois qu'on l'avait mise là. Comme ça, en fait, on arrive directement. Ça va plus vite, en fait. Parce que si on doit passer par là, on doit faire tout un détour. Enfin, on passe par la droite et tout ça. Alors que là, on arrive directement à cette zone. Donc, je crois qu'on avait fait ça. Et comme j'ai dit, si on l'avait pas fait, bah, c'est pas grave. On va en profiter, du coup. On va manger. Parce qu'on a chaud, ici. Très bien, on a 1,5 kg, enfin 1,05 kg de rabais, c'est très bien. Ah voilà, ouais, elle est là la corde. Faut que je la dessine, hein. Faut que je la dessine parce que ça c'est con. C'est vraiment bête. Donc dès qu'on sera en haut, on va dessiner la corde. Très bien. Alors, hop, hop.
Voilà, très bien. Voilà, donc maintenant on est directement sur le plateau supérieur en fait. Voilà, ça nous fait gagner un peu de temps quand même. Ah, surtout, enfin c'est même pas ça. C'est même pas vraiment gagner du temps, c'est surtout que c'est très très safe en fait. Bon, il n'y a que le loup au niveau du moteur là qui est un peu un problème. Mais il y a plein de grottes pour s'abriter. Normalement, non, on devrait arriver sur le coup de là. Alors que là, on est directement ici. Ouais, il y avait plein, y a plein de grottes pour s'abriter, donc il n'y a aucun problème. On a encore... Ouais, non, ça va. Ah merde, c'est à droite ou à gauche? Je crois que ça mène au même endroit. On va aller sur la droite. Il y a plein de cerfs en plus. On va aller d'abord sur la droite et on va aller sur la, la grotte ici, déjà. Ah, et peut-être que là, on va faire une pause et on va chasser pour faire des steaks. Peut-être. Je pense que ça serait une bonne idée. Parce que là, maintenant, on va commencer à taper dans, dans les réserves. Donc, je voudrais encore... si on n'a plus vraiment de cordes à prendre, je voudrais quand même pouvoir garder les massettes le plus possible. Alors, attends, c'est par là ou c'est là? Est-ce qu'on peut passer à gauche là? Ah. Okay. Oh, on aurait pu lui mettre une flèche directement ici, hein, honnêtement. On aurait pu vraiment lui mettre une flèche. Ok, très bien. Parfait. Ah non! J'aurais dû finir ça. Ah, j'ai été... Bon, c'est pas grave. Je pourrais dormir encore une heure. Est-ce que ça... Oh! Est-ce que ça vaut le coup de dormir une heure? À la limite, ouais. De toute façon, ici, on risque pas grand-chose. Encore une fois, comme j'ai dit... C'est pour se réchauffer plus vite et tout ça, et pour faire passer le temps sans trop perdre de calories. On risque pas grand chose, parce qu'il y a plein de cerfs devant. Alors, vu qu'on a plus... On va prendre ça. Vu qu'on a plus la douleur... ça, ça va nous permettre de mieux voir. Alors, attendez. Si on a trop de morceaux de viande... C'est pas grave, de toute façon on va avancer et puis ça partira. Enfin on aura faim et on les mangera. Alors, nous on voudrait aller sur le côté droit. Donc ça va être le moment décisif. Par contre, nous on vient d'ici. Donc on a ce côté là qu'il faut faire. Alors d'abord je vais faire. On va retourner jusqu'à la corde. La corde qui est juste là. Ça m'étonnerait que ça soit ici. C'est comme on avait dit, hein, je rappelle encore une fois qu'on veut aller sur la droite. Donc ce qu'on va faire, on va aller jusqu'à la corde qui est juste là. Enfin, l'absence de la corde, parce que normalement on l'a changé. On l'a mis là. Et après on va remonter et on va encore, comme j'ai dit, tout le longer le bord en fait. Donc longer, c'est sur la droite. Donc d'abord je vais aller voir la corde. Donc on est à la recherche d'une... je sais, une grotte ou alors un chemin, un nouveau chemin, peut-être un chemin en hauteur, parce qu'il y en a, genre par exemple ça. Non, non, c'est pas un chemin. Ok, là on a une grotte.
Là, on a une grotte. Attendez. C'est là? Non, c'est pas là parce que la corde, elle est là. Oh! C'est peut-être ici! En plus, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des... Il y a ça... Et nous, on les a collectés. Je pense qu'on les aurait collectés sur le chemin. Attends, on va aller jusqu'à la corde, vite fait. Mais je pense que... Ah, là, il y a la corde. Enfin, l'absence de la corde. Il y a le rocher pour la corde. Parce qu'on l'a changé, je rappelle encore une fois qu'on l'avait changé d'emplacement. Ouh, on a bien fait de revenir en arrière. On a vraiment bien fait de revenir en arrière. Parce que si on avait continué, du coup, on aurait loupé. C'est juste là, alors. On va dessiner. Yes, on a. Très bien. Bah, c'est pas très compliqué, en fait, pour y aller. C'est pas très, très compliqué. Si c'est ça, hein, bien sûr. Donc, on va se mettre là. On va attendre à la bordure. Non. Hop. On va dessiner ça. Je pense que c'est nouveau, ça. Je suis quasiment sûr que c'est une nouvelle grotte. Je pense que c'est ici. Nouveau lieu découvert, grotte. Ok, on est bon. Je pense qu'on a trouvé l'emplacement. On a trouvé l'emplacement. Donc ça va être la fin de notre épisode. Comme j'avais dit, je voulais arrêter l'épisode au moment où on trouve l'entrée en fait de Ash Canyon. Je pense que c'est bien ça. Parce que on vient de découvrir un nouveau lieu, donc ça peut être que ça. Donc c'est juste avant la grotte qui existait déjà, qui est celle-là. Et c'est dans la clairière aux cerfs, apparemment. Donc là, il y a tous les cerfs, il y en a 4 ou 5 qui se baladent. Donc c'est la grotte juste avant. Donc c'est très simple, en fait, pour y aller. Vous êtes là, vous longez, en fait, sur la droite. Et vous n'avez qu'une seule corde à prendre. Bon, bien sûr, nous, on a fait autre chose, parce que nous, on prend celle-là. Parce que c'est... En fait, c'est tout droit, en fait. Nous, on descend directement au moteur, et après, on fait ça. Donc c'est beaucoup, on gagne énormément de temps. Mais voilà, c'est là. Donc, ah, ça, c'est bien, c'est cool. On a failli passer à côté. On a vraiment failli passer à côté. Ça fait un peu flipper. Alors, peut-être après qu'il y a une autre entrée, hein, attention. Peut-être que c'est peut-être pas un cul-de-sac, hein, la nouvelle zone. Il y a peut-être d'autres entrées. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là. Ça a bien sauvegardé, du coup. Oui, ça a bien sauvegardé parce qu'on est rentré dans une grotte. Donc moi je vais arrêter là, donc ça sera la fin de cet épisode, donc ça fait 2 épisodes pour y arriver. Donc maintenant le prochain épisode je sortirai direct et on découvrira donc Ash Canyon ensemble. Il fait un peu nuit mais on va se débrouiller, on a des torches et tout ça, on a de la nourriture, on a encore ça de nourriture, ça c'est bien. Est-ce que ça vaut le coup de ressortir et de chasser des cerfs? Honnêtement, j'ai pas vraiment envie, j'ai envie d'aller directement explorer, donc on va directement explorer. De toute façon, on a des tiges de massette en réserve, donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, et prochain épisode directement Ash Canyon. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao ciao, bon week-end à tous.